Tokyo est grand. Super, super. Missionnaire, on va décaler, s'il vous plaît. J'ai encore du monde qui arrive. S'il vous plaît, vous pouvez décaler, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Super. Merci. Donc, on va mettre le sac à l'avant. Super. Excusez-moi, ce qui va se passer dans un premier temps, les personnes qui sont sur la rangée tribord, tribord donc à droite. Comme nous allons longer la côte de ce côté pour l'instant, donc la visibilité sera beaucoup plus nette. Donc dans un premier temps, je commence la visite à droite. Quand on aura fini à droite, le bateau ensuite fera l'inverse et ce sera au tour de ceux à bâbord donc à gauche. Et je reprendrai complètement sur la partie gauche. Alors, bienvenue aux îles Pigeons, appelée aussi la réserve Cousteau. Réserve Cousteau pourquoi ? Le commandant Cousteau a réalisé une partie de son film ici, Le Monde du Silence. Et Pigeon, parce que les îles appartiennent à un propriétaire terrien du XVIIe siècle qui s'appelait Pigeon. Alors ici, nous sommes à la capitale de la flotte argentée. Ici, le bon poisson argenté, on les appelle les carangues. Ensuite, vous avez les poissons bleus. Ces poissons bleus, ce sont des manioches. Wow, beaucoup de poissons. Et vous en avez qui sont gris avec la queue jaune. Ce sont les colas. Le cola, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cousin du vivaneau. Le vivaneau, vous en avez peut-être déjà dû en manger. Ce sont les mêmes, ce sont des cousins, c'est la couleur qui change. Tous les poissons tigrés rayés, on les appelle bagnards, ou encore appelés sergent-major. Et là, les gros poissons gris-noirs ici, on les appelle les lipus. Alors, le site sur lequel nous sommes en train de naviguer s'appelle le Jardin Corail. Pour l'instant, nous sommes à une dizaine de mètres de profondeur. Alors, vous avez des taches qui sont jaunâtres orange, qui sont plaquées sur les roches volcaniques. Ça fait comme des taches dorées. Toutes ces taches dorées que vous voyez, ça paraît pas méchant, mais c'est le corail de feu. Au contact de la peau, ça brûle, ça fait mal, ça laisse des marques. Bleu-vert, c'est le fameux perroquet appelé aussi le poisson-chat, mais j'en parlais tout à l'heure. Alors bien entendu, la réserve est protégée, donc la pêche est interdite, vous ne pourrez rien ramener du fond. Pour les tortues, quand on a de la chance, il nous en arrive d'empoisonner. Mais à savoir, les tortues se nourrissent des algues et des herbiers. Malheureusement, vers les îles, il n'y a pas beaucoup d'herbiers, et vu qu'il y a beaucoup de plongeurs par ici, elles préfèrent prendre la fuite. Si toutefois on ne les voit pas aux îles, vous aurez plus de chances de les voir du côté de la plage. Entre le chenal et la zone de baignade, vous en avez quelques-unes dans ce coin-là. Et à Malentur, nous avons deux espèces, ce sont les tortues vertes ou les tortues imbriquées. De tubes, on dirait des concombres de mer. Ce sont des éponges, on les appelle les tubulaires verts ou encore appelés tubulaires jaunes. Et là, le petit banc de poisson gris, les tout petits gris marrons, on les appelle les castagnoles. Alors, aux îles, on comptabilise près de 155 espèces de poissons répertoriés. Alors ça bouge un tout petit
petit peu. S'il y en a qui ne se sentent pas bien, vous n'hésitez surtout pas à remonter. Et là, nous avons un petit banc de lipu. Les lipu, on les a croisés tout à l'heure, c'était les adultes. Là, ce sont les bébés. Voilà. Les lipu, les grippes. Et les tigres rayés, j'en ai parlé, ce sont des sergents-majors, appelés aussi bagnards. Vous avez aussi un poisson qui est tout noir et plat. Ce poisson fait partie de la famille des balistes. On l'appelle la bourse. C'est la bourse noire. C'est un poisson qui n'a pas d'écailles, ça se mange aussi. On le trouve des fois dans quelques restaurants. Chimérien. On la nomme ainsi parce qu'elle a deux lames vers la queue pour se défendre qui ressemble à des scalpels. Et là, ce qui ressemble à une plante ou encore un champignon, c'est du corail qu'on appelle le corne d'élan. Corail corne d'élan. Nous avons aussi au fond ce qui a une forme de cratère, on dirait des vases. Ce sont aussi des éponges. On les appelle les éponges tono, on va encore appeler éponges barbiques. Ce sont des éponges tubulaires vertes ou jaunes. Ces éponges sont d'espèce animale. Elles peuvent se régénérer quand elles se cassent. On a encore un beau corne d'élan encore par ici. Les petits tigres rayés, on les appelle les bas. Les petits poissons bleus, j'en parlais, c'était les doris, donc les poissons chirurgiens. On va avoir des lipus. Alors d'ici quelques minutes, nous allons arriver sur le site pour la médiane. Il y aura une médiane d'une demi-heure. La médiane est réservée aux personnes qui savent nager. On a 10 mètres de fond, entre 10 et 12, et entre 10 et 12 mètres. Pour les enfants, grâce à route. C'est pas quoi la marque ? C'est ce qu'il y a.